Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Union Sorbonne. Nous nous retrouvons pour une vidéo du commun. C'est une vidéo réaction. Claire Bailly, une ex-star de la musique coupée décalée, est venue aujourd'hui en Christ. Elle est arrivée et ça fait la joie de beaucoup de personnes. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème de la mesure où elle-même, elle va nous dire ici que il y a certains journalistes qui essaient de profiter un peu de cette affaire, de cet événement, pour raconter des histoires. En fait, elle a donné une interview à quelqu'un et cette personne est allée raconter une autre chose sur les réseaux sociaux. Du coup, les gens ont commencé à la critiquer négativement. Et c'est une chose qu'elle n'a pas aimé, c'est une chose qu'elle n'a pas vraiment appréciée. C'est pourquoi elle est là. Avant de réagir, nous allons juste l'écouter et vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, c'est parti. Écoutons ça. Aujourd'hui, Claire Bailly, qui était dans le monde profane, qui est au service du Seigneur aujourd'hui, je suis là en face de vous pour vous faire un démenti. Pourquoi? Parce que j'ai eu un journaliste au téléphone qui m'a demandé qu'est-ce que je deviens, ma vie en Jésus, qu'est-ce que Claire Bailly devient. Et je lui accorde une interview. Mais apparemment, tout ce qu'il écrit, c'est pour avoir des likes, quoi. Parce que quand je vois les posts qu'il fait, ça se promène un peu partout. La première fois il a fait, je vais direct en même temps hein, parce que je n'ai pas envie de trop vous retarder parce que c'était vraiment pas prévu, je ne devais même pas faire du direct. Donc la première fois il me dit, il a écrit Claire Bailly, il veut faire venir cinq artistes comment on appelle ça, pour servir le Seigneur. Il a cité les garçons, il a parlé de DJ Mills, Che Guevara, Kerosene. C'est bien beau. Mais je l'ai rappelé après, je dis, mais ce que j'ai pas dit là, faut pas dire ça. Moi, aujourd'hui, je suis dans la vérité. Je ne suis plus dans le monde profane où on inventait la vie, où on disait vraiment du n'importe quoi pour se faire plaire, pour se faire voir. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me faire voir. Je ne cherche pas des likes, je n'invente pas ma vie pour chercher des likes. Si je suis même sur Facebook aujourd'hui, c'est pour parler de Jésus à ces enfants bénis de Dieu qui sont sur ma page. C'est pour que vraiment, comme les personnes qui ne connaissent pas Jésus viennent en Jésus-Christ parce qu'il y a la vie réellement. Sinon, il pourrait disparaître même de Facebook, hein. Mais le même Facebook qu'on a pris pour pervertir les enfants des gens, c'est ce même Facebook que moi je suis aujourd'hui pour pouvoir parler de Jésus, pour pouvoir parler de la vie en Jésus-Christ à ces enfants bénis de Dieu. Et j'ai laissé passer. Parce qu'il a dit que j'ai cité cinq personnes, mais je lui ai dit, mon frère, c'est pas vrai. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Et j'ai laissé passer. Parce que la seule personne que j'ai eue une fois au téléphone, je l'ai répété, j'ai même fait ça sur Pi Polémique là-bas, il dit, c'est débordant. Du coup, une fois que j'ai eu au téléphone, il dit, ah mon frère, ah, moi je prie, il faut que tu viennes, hein, parce qu'il faut que tu... Il m'a dit, ah la soeur, t'inquiète, dès que Jésus dit, paix net, je viens. J'ai dit, oh, je suis sûr. Parce que c'est Jésus qui est... C'est lui qui peut. Quelqu'un ne peut se lever pas de toi-même, tu peux pour venir servir le Seigneur. On ne sait pas le Seigneur parce que par plaisir, parce que l'autre est parti servir le Seigneur, tu vas venir dire que non, comme toi tu es venu là, tout le monde doit venir. Non, c'est en intercédant. C'est comment on appelle ça, en priant pour ceux que tu as laissés là-bas, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, encore cette même personne... Et je vois encore en train de se promener sur la toile qui dit que non, Claire Bailly met en garde ces jeunes sœurs qui s'adonnent à la facilité. Non, mais il faut arrêter. À cause des likes, les gens peuvent dire n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ce genre de choses. Je suis qui? Je viens d'arriver quand même dans cette histoire de comment on appelle ça? De service pour le Seigneur. Je suis prophète. Je suis arrivé quand? Je viens de commencer et de demain, même si j'avais fait 10 ans de ministère ou bien 50 ans de ministère, je suis qui pour mettre les enfants de Dieu en garde? Ceux que j'ai laissés là-bas, là. Au contraire, moi, personne ne m'a mis en garde pour que le Seigneur ait compassion de moi pour me faire cette grâce-là de quitter ce monde profane. Donc, moi, si Dieu m'a fait grâce pour quitter dedans, c'est de prier pour que ces personnes-là quittent ce monde profane parce que ce n'est pas du tout facile. Mais ce n'est pas plus grâce que moi, aujourd'hui, j'ai pu quitter. Donc, moi, ce que moi je peux faire, c'est de prier pour que ces personnes-là, ces jeunes soeurs, mes frères, tout ce que j'ai laissé là-bas, que ce soit les mamans, les tantes, il y a beaucoup qui sont encore égarés, c'est de prier pour que ces personnes-là vraiment connaissent la vie en Jésus-Christ. Si, toujours je le dis, si le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Mais que le monsieur arrête. Les gens écrivent du n'importe quoi pour des likes. Ça, c'était ma vie passée, ça. Où on a besoin de likes. Hein? Arrêtez de faire ça. Pour pouvoir laisser les gens dire que oui, Claire Bailly vient d'arriver campus, c'est qui a parlé de fatigue. Moi, je suis qui pour dire que Claire Bailly met les jeunes filles en garde.
frère soit délivré. Je n'ai jamais dit ça. C'est pour ça que je suis venu faire ce direct. Quand vous voyez ce genre de publication, je vous assure, je n'ai jamais. C'est pour ça que vous ne me voyez pas tout le temps sur Facebook. Parce que quand tu n'as rien à dire, il ne faut pas venir m'aider les gens sur Facebook. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis allé voir ça tout à l'heure sur des pages. Mon petit frère m'envoie pour dire, ah, voilà ce que tu as dit. Moi, je vais mettre quelqu'un en garde, c'est pourquoi? Je vais mettre les jeunes filles en garde là, c'est pour quelle raison? Je suis devenu Jésus aujourd'hui ou bien je suis devenu Dieu à cause de parce que je suis au service du Seigneur. Je mets tout le monde en garde. C'est pourquoi? Wow. Et plus jamais, moi je n'accorderai plus d'interview aux journalistes. Parce que quand tu ne le fais pas, on dit non, tu es mal poli. Hein? Attends. Vraiment, Laurent Blessing, comme si les likes pouvaient sauver la vie des gens. À cause des likes, vous inventez les choses. C'est pas bien. Hein? Nous, si moi, le Seigneur m'a fait quitter là-bas, c'est pas par ma propre force, mais parce que je suis mieux que les autres. Non, je ne suis pas mieux que quelqu'un. C'est pour pouvoir dire aux gens que si moi, si le Seigneur a pu faire ça pour moi, c'est qu'il peut faire ça pour toi, mon frère. Il peut faire ça pour toi, ma fille. Il peut faire ça pour toi, mes enfants. Il peut faire ça pour vous, pour tout le monde. Je suis qui? Et puis je viens dire, je mets les jeunes filles en garde pour ceux qui se donnent à la facilité. Ce que j'ai dit en Jésus-Christ, on peut tout avoir. En Jésus, tu peux rouler une belle voiture. En Jésus, Jésus donne tout. L'or et l'argent l'appartient. Voilà, pour ceux qui disent que c'est difficile. La seule chose peut-être qui est difficile, peut-être c'est de te dénuder. On ne se dénude pas en Jésus. Hein? Peut-être c'est ce que les gens appellent difficile. Ou bien te retrouver dans les bars. Ou bien peut-être c'est ça qui est difficile. Bon. C'est Dieu qui donne la force à ne pas le faire. Mais déjà, il faut que ces jeunes filles-là, il faut qu'on les amène, ou bien mes jeunes frères, ceux qui sont dans la nuit, on les amène à accepter déjà le Christ. Parce que moi, personne ne m'a brutalisé. Personne ne m'a mis en garde pour dire que oui, quitte là-bas, sinon tu vas mourir, ou bien quitte ici, ou bien fais ceci, ou bien fais cela. Non. J'ai accepté le Seigneur, et puis le Seigneur m'a enlevé là-bas. Hein? Donc, c'est ce que j'avais à dire, je ne veux pas trop durer, mais vraiment, plus jamais je vais donner des interviews. Parce qu'on vous donne des interviews, vous transformez. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Aïe, aïe, aïe. On vous donne des interviews et vous transformez tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Comme quoi, il faut bien analyser les affirmations avant de les avaler. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez entendu, mes frères et sœurs, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Vraiment, dites-moi. Elle dit qu'elle a décidé de ne plus donner d'interview et tout ça. Quelle est mon analyse face à cette situation? Une chose est sûre, mes frères et sœurs, c'est que quand on vient en Christ, quand on vient à Jésus-Christ, on choisit un camp et on se combat en même temps le monde des ténèbres. C'est systématique. Maintenant, les gens qui vont s'approcher de vous là, qui peuvent même se faire passer pour des gens qui vous soutiennent, vous devez vraiment être très vigilant par rapport à ces gens. Parce que il y a des envoyés du diable, il y a des gens qui viennent pour diviser, il y a des gens qui viennent pour mettre du sable dans du riz. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Peut-être vous pouvez peut-être voir ça à première vue, vous dire, oh bon, c'est juste pour avoir des likes. Mais derrière, il y a un esprit qui a poussé à ça. Il faut vraiment faire très attention, ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser avoir. C'est étrange. Là, elle a vu ça, elle est obligée de réagir. Sa réaction est devant vous. Vous avez entendu ça. Ça, c'est un signal pour vous dire, mes frères et sœurs, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous vous confiez. La nouvelle vie que vous avez décidé d'emprunter ne plaît pas à tout le monde. Donc, l'ennemi, il utilisera n'importe quoi pour essayer de salir votre image, juste pour vous atteindre. Mais vous, vous devez être fort. Fort et courageux. Le Seigneur qui nous dit d'être prudent. Soyez très prudent. Les gens avec qui vous causez, ceux avec qui vous donnez des informations,
toutes ces choses, il faut vraiment les analyser parce que le terrain est miné. Et c'est là même que le combat spirituel commence. Il faut être très vigilant maintenant. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez là en commentaire et restez connectés sur Nyan Sreban. C'est parti.